et savent aussi que c'est le temps de prendre le matériel et de quitter les lieux. Certains experts croient que ces ombres sont des êtres venus des ténèbres. D'autres pensent qu'il s'agit de la manifestation d'énergie négative. Mais d'une façon ou d'une autre, Stacy sait qu'il ne s'agit pas d'esprits d'êtres humains. Je me sentais vulnérable. On n'était plus en sécurité. Et avec les années, j'ai appris à me fier à mon instinct. J'avais l'impression qu'on était cerné. Quelque chose dans ce cimetière était visiblement intéressé par nous. Night at the cemetery. I think we ended up just scaring ourselves more than anything. What about this? Oh my God, Jamie, what did you do to yourself? I didn't do anything. Well, of course you did. That didn't just appear by itself. What in the world happened? I didn't do anything. It just like appeared, I swear. In the back of my... J'avais le sentiment qu'il s'était vraiment passé quelque chose, mais mon côté rationnel a alors pris le dessus. J'ai nettoyé la blessure et je n'en ai plus reparlé. Je me sentais trahi. Même si on voulait minimiser ce qui était arrivé, qu'est-ce qui avait pu me faire cette plaie en forme d'étoile? Dans les jours qui suivent, Jamie a l'impression que le monde qui l'entoure a changé. C'est la rentrée à l'école et pourtant, tout l'indiffère. That's enough. Outside, now.
that stunt you're pulling in there, but I'm not gonna tolerate it. I didn't do anything. All right, wise guy. Let's see if you remember for the principal. But no, I didn't do right anything. Right now. Let's go. What's going on? Nothing. Nothing? You remember anything about incessant mumbling? No. I swear. Jamie, what's wrong with you? You want another detention? Go for it. That's two. Want another one? Why? Enough. Everything. Dans mon esprit, tout était normal. Il ne se passait rien d'anormal. Mais toutes ces choses inexplicables arrivaient, et je ne comprenais pas pourquoi. Get out of here. Let's go. Suivante, Jamie a l'impression de vivre dans un brouillard. J'avais changé. Je me sentais dépressif ou alors en colère. Plus rien ne me rendait heureux dans ma vie. Il aimerait pouvoir parler à sa mère, mais elle semble toujours trop occupée pour l'écouter. J'étais tout seul. Tout ce que je pouvais faire, c'était de m'asseoir dans ma chambre et d'écouter de la musique. Adhésif a volé à l'autre bout de la pièce, sans raison. Avais-je rêvé? On aurait presque dit que c'était une illusion. La version